Monsieur le Président du Grand Avignon, Joël Guin, et vous tous et toutes en vos degrés et qualités, ainsi que notre nombreux publics, très heureux de vous accueillir. Donc j'aurai un petit discours après où je vous nommerai chacun, mais je suis très ému, je dois dire, de me retrouver là sur ce plateau. Je l'ai dit hier, certainement je suis effectivement le régional de l'étape, mais malgré tout, c'est très impressionnant de se retrouver devant tous ces collègues français, européens, et de voir la réussite de ces 50 ans. En petit préambule, comme certains le savent, j'adore le piano jazz et nous allons accueillir un élève du département de jazz du Conservatoire du Grand Avignon, monsieur Jules Mazin, et qui va nous interpréter deux morceaux, alors qu'ils ne sont pas typiquement issus du répertoire du piano jazz, mais le premier morceau ce sera Sail to the Moon, dont la famille chrétienne on aime bien aller vers là-haut, mais un morceau de Radiohead, et un deuxième morceau, Don't Buy Ivory Anymore, comme tout le monde le sait, les touches de piano ne sont plus en ivoire, donc c'est plutôt bien, donc de Henri Texier. Donc j'accueille monsieur Jules Mazin, que je remercie chaleureusement.
Merci Pierre-Jean et merci tous les techniciens. Donc très chers amis, collègues, élèves, et puis je pense aussi parce que nous sommes en streaming, donc toutes les personnes qui nous écoutent, je suis très heureux et aussi très fier de voir se tenir le congrès des 50 ans de la FFEA, la Fédération française de l'enseignement artistique, dans les équipements culturels du territoire du Grand Avignon, le conservatoire, l'opéra et le palais des papes. Ces lieux emplis d'histoire marqueront, avec la qualité des débats et de nos échanges, cette commémoration. Aussi, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par son président, M. Joël Guin, à la Fédération française de l'enseignement artistique, représentée par son président, M. David Lalloz, et leur président honoraire, M. Henri-Claude Fontapier et M. André Pérègne, à l'European Music School, représentée par son président, Philippe Dallarin, ainsi que sa composante régionale, Onda Latina, à l'ensemble des équipes du Conservatoire Olivier Messiaen et de l'Opéra pour leur aide, participation dans le montage de cet événement, aux artistes, élèves et enseignants du Conservatoire qui ponctueront et illustreront ce colloque, à la DRAC pour leur soutien et accompagnement, au département du Vaucluse pour son aide dans le portage de projet et à la région Sud pour ses encouragements. Le Grand Avignon est un territoire de confluence réparti sur les départements du Gard et du Vaucluse, à la frontière des Bouches-du-Rhône, et il se situe au carrefour des deux régions, la région Sud et l'Occitanie. La population du Grand Avignon s'élève à presque 200 000 habitants. La ville d'Avignon compte 92 000 habitants. Le territoire accueille en outre 10 556 étudiants, dont près de 7 000 pour la seule université d'Avignon. La Cité des Papes, dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, accueille chaque année, au mois de juillet, le plus grand festival de théâtre et spectacle vivant au monde. Au total, ce sont plus de 4 millions de touristes qui la visitent chaque année. Le Conservatoire du Grand Avignon, Olivier Messiaen, donc tout le monde sait peut-être que Olivier Messiaen est né en 1908 en Avignon. Après, il est parti sur Grenoble, certes, il est rentré très jeune, à 11 ans, il me semble, au Conservatoire supérieur de Paris. Il a été l'élève de Paul Dukas en composition, c'est un très bon organiste également. Donc, le Conservatoire du Grand Avignon s'appelle Olivier Messiaen et c'est tout à fait logique. Je suis très heureux que les conservatoires aussi puissent porter des noms de célébrités. Est ainsi un établissement non seulement régional, mais interrégional. Avec plus de 2500 élèves et presque 200 personnes composant les équipes pédagogiques, administratives et techniques, c'est un établissement qui bénéficie du soutien indéfectible du Grand Avignon pour accomplir au mieux ses diverses missions. D'ailleurs, nous venons de nous étendre dans la région Occitanie avec l'intégration d'une nouvelle école à Rochefort-du-Gard et c'est pour ça que nous avons maintenant 19 enseignants de plus et à peu près 350 élèves de plus. Le public du conservatoire est majoritairement d'âge scolaire, avec environ 32% dans le premier degré, 39% dans le second, près de 7% dans l'enseignement supérieur et 22% de plus de 25 ans. Cette diversité d'âge représentée est une caractéristique forte de l'établissement. D'un point de vue mixité, 62% sont des filles et 38% des garçons, avec une différence beaucoup plus marquée, comme dans beaucoup d'établissements, pour la danse, le ratio est de 80%-20%. Au cœur de l'évolution stratégique du Grand Avignon se trouve une vision ambitieuse, un projet de territoire conçu pour façonner l'avenir jusqu'en 2030. Ce projet novateur s'articule autour de trois axes majeurs, la transition réussie du territoire, le renforcement des équilibres territoriaux et le développement soutenu de son attractivité. Dans cette perspective, le Conservatoire, en tant qu'établissement d'enseignement artistique renommé, joue un rôle crucial en fusionnant harmonieusement ses aspirations territoriales avec celles du monde de l'art et de la culture. Tout d'abord, en adhérant au premier axe du projet de territoire qui vise la transition vers un avenir plus durable et respectueux de l'environnement, le Conservatoire s'engage à travers son enseignement artistique à sensibiliser les futurs créateurs aux enjeux écologiques et sociétaux. Les disciplines artistiques, ayant toujours été le reflet de leur époque, deviennent ainsi un moyen puissant de diffuser des messages de changement et d'innovation, contribuant ainsi à l'évolution positive du territoire avignonnais. De plus, en alignant sa mission avec le deuxième axe du projet de territoire, celui du renforcement des équilibres territoriaux, le Conservatoire assure une répartition équitable et accessible de son offre éducative. En étendant ses programmes et ses initiatives culturelles à travers différents quartiers et communautés, l'établissement crée des ponts, hein, sur Avignon c'est le cas de le dire, entre les citoyens, favorisant la cohésion sociale et la diversité culturelle. Cette approche garantit que chaque individu,
quel que soit son contexte, ait l'opportunité de s'épanouir dans un environnement artistique et éducatif de haute qualité. Enfin, le conservatoire s'inscrit également dans la vision du troisième axe du projet de territoire en participant au développement de l'attractivité du Grand Avignon. Grâce à sa réputation d'excellence et à la renommée de ses enseignants et élèves, le conservatoire contribue à positionner son territoire comme un pôle culturel et artistique incontournable. Les événements, les performances et les productions artistiques qui émanent du conservatoire rayonnent bien au-delà de ses murs, attirant l'attention et l'intérêt d'un public régional, national et international, et créant ainsi un véritable moteur d'attractivité. Offrir à chaque citoyen qui le souhaite l'accès à une formation artistique de qualité est une exigence démocratique à laquelle concourent les lieux d'enseignement artistique spécialisés et tout particulièrement les conservatoires territoriaux classés par l'État. Lieux dédiés à l'enseignement artistique spécialisé, ils sont des acteurs fondamentaux dans la mise en œuvre de la priorité ministérielle donnée à l'éducation artistique et culturelle et à l'application concrète des droits culturels. Si l'offre et le fonctionnement des conservatoires ont profondément évolué ces dernières années, l'image d'un conservatoire élitiste et figé persiste encore, en contradiction souvent avec les réalités de terrain, nuisant à la diversification des profils des élèves comme au développement des partenariats avec les autres acteurs artistiques et culturels de leur territoire. Au plus près des populations et en synergie avec les acteurs artistiques et culturels du territoire, structures de diffusion, associations d'amateurs, le conservatoire de demain doit offrir une diversité de pratiques artistiques à travers des actions de sensibilisation, des projets collectifs et des parcours d'apprentissage diversifiés. Cela, on a pu le voir hier dans la publication des SNOP, va justement permettre de la réalisation de tous ces axes prioritaires. Il doit être le creuset d'une culture commune et ouverte à la croisée de la création des répertoires et des patrimoines chorégraphiques, musicaux et théâtraux occidentaux comme extra-européens afin que tous ceux qui le souhaitent puissent y être accueillis et s'y réaliser. Les droits culturels et l'enseignement artistique spécialisé sont deux concepts interconnectés qui jouent un rôle crucial dans la promotion de la diversité culturelle et l'épanouissement des individus. Les droits culturels sont des droits fondamentaux qui garantissent à chaque individu ou groupe la liberté de participer à la vie culturelle de leur choix, de créer, de diffuser et de bénéficier des expressions culturelles. Ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et sont également reconnus dans des instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les droits culturels reconnaissent la valeur intrinsèque de la culture et le droit des individus de préserver, promouvoir et transmettre leur patrimoine culturel. L'enseignement artistique spécialisé, quant à lui, vise à fournir une éducation de qualité dans les domaines artistiques et culturels aux apprenants de tous âges. Il s'agit d'une forme d'éducation spécialisée qui permet aux élèves de développer leurs talents artistiques, leur créativité et leur sensibilité esthétique. Cette forme d'enseignement peut se concentrer sur des disciplines telles que la musique, la danse, les arts visuels, le théâtre, les arts plastiques, etc. L'enseignement artistique spécialisé joue un rôle essentiel dans la promotion des droits culturels en donnant aux individus les moyens d'explorer leurs expressions artistiques et de participer pleinement à la vie culturelle. Le projet d'établissement du conservatoire Olivier Messiaen, se révèle être le maillon essentiel reliant les ambitions du Grand Avignon pour 2030 avec les aspirations culturelles et artistiques de la communauté. En intégrant les préoccupations territoriales au cœur de son enseignement et de ses actions, le conservatoire établit un partenariat harmonieux entre la création artistique et l'évolution sociétale, contribuant ainsi de manière significative à la réalisation de cette vision audacieuse pour l'avenir du territoire. En somme, la thématique de ce congrès de la FFEA, enseigner l'art, un projet pour la société, fait écho au message que souhaite communiquer le conservatoire Olivier Messiaen sur son territoire, lequel figure parmi les enjeux les plus cruciaux des tentatives actuelles de vivification de la démocratie et de penser l'art comme un outil qui peut contribuer à la réinvention des formes possibles du collectif et du vivre ensemble. Merci de votre écoute.
Maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Joël Guin, président du Grand Avignon. Monsieur le Président de la Fédération française de l'enseignement artistique, Monsieur le Directeur du Conservatoire, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans les locaux de notre Conservatoire à rayonnement régional. Avec son directeur, Jérôme Chrétien, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce congrès national qui marque aussi le 50e anniversaire de votre fédération. Avec son directeur, Jérôme Chrétien, Je remercie aussi votre président, David Laloz, qui est ici, à nos côtés, membre de votre conseil d'administration, d'avoir choisi notre agglomération pour organiser un tel événement. Cette année, vous avez décidé de mettre en exergue le rôle des enseignants dans l'apprentissage des arts et la transmission de la culture. Quelle belle occasion pour rendre un vibrant hommage à tous nos professeurs qui exercent cette mission avec passion, en offrant à nos enfants une source d'ouverture, d'épanouissement unique. Réfléchir à l'enseignement, l'enseignement des arts, dans notre société, c'est aussi considérer tous les bienfaits qu'ils peuvent y apporter. Ainsi, l'art favorise la confiance en soi, encourage l'exploration personnelle en proposant des moyens d'expression et des émotions et des idées. Il constitue un vecteur unique permettant à chacun de développer sa créativité, de trouver sa voie artistique, de s'exprimer sans crainte et jugement. L'art sensibilise également les élèves aux problèmes sociaux et sociétaux. Il invite à la discussion, à la réflexion sur les enjeux importants de notre civilisation. Il donne aussi une voix aux personnes marginalisées qui disposent ainsi d'un espace d'expression et d'épanouissement dont ils ne disposent pas ailleurs. Enfin, l'impact de l'enseignement artistique sur la réussite scolaire et sur les chances de réussite sociale et professionnelle à plus long terme est largement reconnu. Les arts et la culture sont ceux qui nous relient les uns et les autres et donnent sens à notre vie en société. Avec son équipe de direction et administrative, le Conservatoire du Grand Avignon et toute la communauté enseignante sur laquelle il s'appuie assument cette vocation. Et avec l'Opéra du Grand Avignon, que vous aurez l'occasion de découvrir demain, je crois samedi, il fait partie des fleurons culturels de notre agglomération. Il participe à la construction de l'identité culturelle forte du Grand Avignon, terre de création artistique reconnue. Avec l'antenne que nous venons de créer dans le Gard, il va désormais toucher plus de 2600 élèves chaque année dans les disciplines les plus classiques et dans les disciplines plus émergentes comme la musique assistée par ordinateur ou la danse hip-hop qui rencontre un vif succès. J'ajoute que nous sommes en train de lancer une classe à horaire aménagé en danse en secteur d'éducation prioritaire, ainsi que la gratuité des enseignements pour les élèves inscrits dans les parcours à horaire aménagé sur les temps scolaires et dès le primaire. Notre ambition, à travers toutes ces mesures, est de proposer un accès à l'enseignement artistique pour tous. Et j'y vois un enjeu démocratique de démocratie et d'égalité des chances et d'appartenance à une même communauté culturelle. Voilà. Alors là, maintenant, il m'appartient de vous souhaiter à toutes et tous un excellent congrès à Avignon et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, je le redis, on a beaucoup, beaucoup de chance d'être aussi bien soutenu. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir un autre président, Monsieur David Laloz. Silence fait partie de la musique et de la danse aussi et du théâtre.
Chers amis, c'est avec une immense gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui, au cœur de la magnifique ville d'Avignon, qui respire ce lieu, qui respire l'art et l'histoire à chaque endroit de son territoire d'exception. En ce jour d'anniversaire, le conseil d'administration de la Fédération française de l'enseignement artistique vous remercie de votre présence au sein de l'auditorium Mozart du Conservatoire Olivier Messiaen ou par le biais de notre plateforme internet, puisqu'on a environ 150 personnes qui suivent en direct les événements ici au Grand Avignon. Sans vous, ce grand événement n'aurait pas la dimension humaine et professionnelle qu'il a aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, en ouverture de ce congrès national, de manière non exhaustive mais large, nous sommes très honorés d'adresser nos sincères remerciements à la comité d'agglomération du Grand Avignon et ses acteurs culturels, représentés par son président, M. Joël Guin, ainsi que Jérôme Chrétien, directeur du Conservatoire rayonnement régional, et M. Guy David, aussi présent. Je remercie le ministère de la Culture et ses représentants pour leur soutien et leur participation à ce congrès. L'Association des maires de France, avec la présence de Marie-Claire Dechaux, adjointe au maire, déléguée à la culture et au patrimoine de la ville de Lamure. Je remercie l'European Music School Union, représentée par son présidium et sa composante régionale Onda Latina, ainsi que son président Philippe Dallarin, dont nous sommes très fiers qu'il porte les couleurs de la France en Europe, mais dans une idée de partage, pas de cocardise, si je peux oser ce terme. À l'ensemble de notre cinquantaine, voire soixantaine de partenaires privés et institutionnels pour leur confiance et leur engagement responsable à nos côtés. Un merci tout particulier à la Société des éditeurs et des auteurs de musique, aux assurances Verspiren et à la lettre du musicien. Un immense merci aux intervenants et aux intervenantes issus de notre réseau professionnel et des institutions publiques. Ils formeront au cours de cette journée un plateau exceptionnel. Dans ma carrière, j'en ai jamais vu d'aussi beau. Je suis désolé pour les autres, mais je le pense. Un plateau exceptionnel d'experts et de spécialistes pour nourrir notre réflexion commune. Merci aux bénévoles et aux responsables de notre fédération, ceux qui nous ont précédés et qui œuvrent du mieux que possible pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, je suis très heureux que l'on fasse la démonstration que la fédération peut être présente partout en France, partout on nous y invite, partout on veut partager, partout il y a des valeurs autour de la culture, de la citoyenneté. Je vous remercie encore, Monsieur Guin, de l'accueil que vous nous réservez avec Jérôme Chrétien, ici, dans cette communauté du Grand Avignon. Merci à vous d'abord, adhérents et adhérentes, aux enseignants et aux responsables des établissements d'enseignement artistique de toute la France, sans lesquels rien ne serait possible en matière de transmission artistique et culturelle. En tout cas, pour la partie qui nous concerne. Merci à nos prestataires, qui font preuve d'un professionnalisme exemplaire. Et puis pour finir, félicitations à nos remarquables équipes d'organisation du Grand Avignon et de la Fédération française de l'enseignement artistique, qui sont à pied d'œuvre depuis, alors pas sur le pont, hein, n'est-ce pas, Jérôme, qui sont à pied d'œuvre depuis près d'un an pour permettre la bonne tenue de ce congrès anniversaire. C'est donc un grand merci et très généreux que notre association nationale vous adresse pour votre engagement et vos actions au service de l'apprentissage des arts vivants, à destination de tous les publics, non élitistes et d'une qualité proche de l'excellence en tout lieu. Ici en Avignon, où les pierres témoignent du temps qui passe, nous célébrons ensemble les 50 ans d'une histoire qui, à bien des égards, est tout sauf immobile. Depuis 1973, la FFEA tient le cap pour vous représenter, vous accompagner, et fédérer le plus grand nombre dans un monde en constante mutation, un monde complexe où les liens entre les hommes et les pays, ainsi que les pratiques culturelles et artistiques, se forgent au rythme de l'évolution des sociétés, des orientations politiques, des nouvelles tendances, du progrès et des crises. Entre équilibre et déséquilibre, en s'étant fortement troublé par les tensions politiques, sociales, économiques, sanitaires, et environnementale, sur la scène nationale et internationale, nous avons besoin non seulement de nous adapter, mais également de nous unir autour de projets constructifs pour l'avenir. Pour y parvenir, j'ose penser et dire en ces lieux que notre monde
a besoin de la culture, comme vous l'avez dit, Monsieur Guin, et de l'art, aux côtés de tout autre domaine, pour faire société, contribuer au bien-être individuel et collectif, favoriser l'ouverture à l'autre et assurer une transmission durable du savoir de génération en génération. Au sein de notre fédération, lorsque nous disons qu'investir dans la culture et les êtres humains, c'est investir pour demain, nous rappelons une vérité profonde. Les arts sont le reflet de notre humanité et le miroir de nos âmes. Ils sont le fil conducteur qui nous relie au passé, au présent et à l'avenir. Quand nous investissons dans la culture, nous investissons dans la compréhension, la créativité, la tolérance et l'espoir. De même, le temps, ce temps qui nous manque, auquel après on court, ce compagnon inséparable de l'art. Le temps nous enseigne la patience, la persévérance et la beauté de l'évolution. Il nous rappelle que chaque note jouée, chaque mouvement dansé ou exprimé, chaque parole, chaque coup de pinceau tracé ou objet fasciné est une partie intégrante de notre histoire collective. L'histoire de la FFEA, au fil des décennies, c'est celle de bénévoles passionnés. Des bénévoles élus qui consacrent leur temps et leur énergie à une cause noble, la transmission, l'apprentissage et la diffusion des arts vivants. Grâce à leur contribution, notre association de loi 1901 réunit actuellement des villes, des groupements de communes, des unions départementales et des associations au nombre de près de 700 établissements et des associations, pardon. Cela représente à peu près 700 établissements publics, privés, classés, non classés. Je l'ai dit à maintes reprises. C'est plus de 15 000 enseignants et 265 000 élèves. C'est une grande responsabilité et nous sommes fiers de l'expertise qu'on peut apporter à votre service dans l'enseignement artistique spécialisé. Nous sommes fiers de nos missions culturelles et artistiques auprès de nos élus, auprès des institutions. Et nous considérons notre rôle comme indispensable pour l'ensemble des concitoyens. Nous sommes également fiers de notre dimension internationale, Monsieur Dallarin. Une dimension internationale incarnée par la création de l'European Music School Union en 1973. Aujourd'hui, Philippe Dallarin la préside et nos liens sont très forts avec l'EMU. Cela montre que la transmission culturelle ne connaît pas de frontières. Je tiens à saluer à cet endroit l'un des membres fondateurs qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, M. Henri-Claude Fantapier, enseignant, compositeur, chef d'orchestre et directeur d'établissement. Il a créé la FFEA et l'EMU aux côtés de Maurice Gévaudan. Il a participé activement à la création de la FFEA donc et de l'EMU au début des années 70. Félicitations Henri-Claude pour votre brillante carrière et les personnes que vous avez formées. On peut l'applaudir très très fort. Enseigner l'art, comme l'a rappelé si magnifiquement Jérôme, avec vraiment un discours que j'ai beaucoup apprécié, enseigner l'art, un projet pour la société. En préambule, je partage avec vous, en préambule de cette réflexion collective, je partage avec vous deux réflexions sur ce sujet. D'abord, dans un monde en déséquilibre économique et politique, où nous assistons à la montée des pouvoirs belligérants, de l'obscurantisme et des courants populistes, la culture est sans aucun doute une bouée de sauvetage pour notre humanité commune. Elle est la voie de la raison, la lumière dans l'obscurité et une source de compréhension mutuelle. Et enfin, pour ce qui concerne l'acte d'apprendre à une personne, ce n'est pas uniquement enseigner à quelqu'un quelque chose. C'est aussi lui faire acquérir une connaissance, un savoir-faire, une expérience. Et bien au-delà, c'est comprendre et se comprendre. C'est un enrichissement mutuel. Et en matière d'apprentissage artistique, c'est partager avec l'autre, être créatif, avoir la possibilité de transmettre à son tour ce qu'a fait ce matin M. Mazin magnifiquement. C'est inviter l'autre à se révéler, à s'affirmer
et à interagir avec son environnement. Dans ce contexte, les écoles et les conservatoires, les enseignants, les artistes enseignantes et les artistes enseignants, j'aime bien appeler nos collègues de cette manière, j'espère qu'ils l'apprécieront, ont un rôle prépondérant, déterminant, voire vital. Un rôle à jouer dans la bonne évolution des citoyens dans notre société, qu'ils soient amateurs ou futurs professionnels. En nous rassemblant aujourd'hui en Avignon, comme acteurs dévoués de notre filière artistique et culturelle, nous réaffirmons notre engagement commun pour préserver et partager notre culture commune pour l'art. Au regard de nos responsabilités collectives, nous appartenons à la famille des gardiens du patrimoine culturel et des artisans de l'âme collective, de toutes les identités culturelles. Ensemble, nous sommes plus forts et nous allons plus loin. Ensemble, nous pouvons façonner les pratiques artistiques partagées en France et en Europe. Et ensemble, nous pouvons donner l'espoir à ceux qui cherchent la beauté, la vérité et la créativité dans un monde parfois chaotique. En conclusion, chers amis et chères amies, je souhaite vous remercier du fond du cœur pour votre engagement indéfectible envers les arts et la culture. Puissions-nous continuer à travailler main dans la main pour créer un avenir où l'art est accessible à tous, où la culture est un pont vers la compréhension mutuelle et où l'espoir brille toujours. Je vous remercie de votre implication positive dans ce dessein commun et de votre écoute, et je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès 2023 de la FFEA. Merci infiniment. On a un tout petit peu de retard, mais on va prendre le temps de saluer quelques personnalités. Et je vais inviter quelques personnes qui ont œuvré soit pour la manifestation aujourd'hui du congrès ici en Avignon ou qui ont eu une action forte à la FFEA ces derniers temps. Donc je vais appeler M. Joël Guin, s'il vous plaît, sur scène, qu'on peut applaudir. M. Jérôme Chrétien. M. Paul Rass. Monsieur Henri-Claude Fantapier. Madame Danielle Jansoni. Gaëlle Tessier. Et il me manque quelqu'un que je vais retrouver, que je vois les visages. Et Sally. Ah, mais c'est parce que Sally est pas... Elle est là, Sally ? Ah, Sally, viens nous rejoindre, s'il te plaît. Je te voyais pas. Merci. Alors, Henri-Claude m'a fait, je fais part de l'aparté, m'a fait une remarque, il m'a dit « Je reviens dans 50 ans ». Thank you.
simplement pour vous dire qu'ici, vous avez presque toutes les composantes de ce qui fait l'art de vivre ensemble dans l'art et la culture, avec des responsables politiques, des intellectuels, des enseignants, des compositeurs, des directeurs, des responsables d'union, voilà. Eh bien, on peut les applaudir très fort, parce que c'est ça, la famille de l'enseignement artistique. Et au nom des membres du CA, je voudrais vraiment qu'on le fasse une ovation pour notre président, M. David Lalousse, qui se donne beaucoup pour la FFE. Je fais un peu de pub pour la communauté d'agglo, mais cet ouvrage sur l'opéra, certains le savent, mais il y a eu une rénovation absolument incroyable du sol jusqu'au plafond, en passant par un très très beau lustre et à cœur ouvert. Voilà, c'est un très bel ouvrage que l'on peut se procurer à l'opéra. Donc je ne fais pas de publicité commerciale, mais c'est assez émouvant. J'adore les maisons d'opéra comme vous, les théâtres à l'italienne. Et je suis niçois et j'aimerais qu'à la ville de Nice, on puisse faire ce très beau travail de rénovation, parce que ces opéras type Garnier, la communauté d'agglomération du Grand Avignon l'a fait, et vous le verrez, vous le découvrirez demain. Une magnifique réalisation. Voilà, merci encore. Bien, merci beaucoup encore. Monsieur Chrétien, monsieur le directeur, de votre accueil somptueux ici en ces lieux. Pour introduire cette journée de congrès sur le thème « Enseigner l'art en projet de société », la FFEA a l'honneur de confier la parole à Paul Rass, anthropologue, professeur émérite des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université Côte d'Azur. Il a publié une douzaine de livres et plus d'une centaine d'articles scientifiques en anthropologie de la communication, sur la diversité culturelle, la mondialisation des cultures savantes et populaires, la communication scientifique, la muséologie et la médiation et l'ingénierie culturelle. Aujourd'hui, Paul va partager avec vous une approche différente de celle dont nous avons l'habitude de parler ensemble. Et elle porte sur la nécessité de multiplier la diversité des initiatives culturelles, éducatives et artistiques. Merci de bien vouloir accueillir très chaleureusement Monsieur Paul Rass sur le plateau de l'Auditorium Mozart. La parole est à vous, mon cher. Merci. Bien, bonjour. Il est difficile de parler après ces belles introductions, où déjà beaucoup de choses ont été dites sur l'intérêt de la culture et la façon dont se transforment toutes vos formations, toutes les écoles de musique, tous les centres régionaux de formation et tous les conservatoires. J'ai essayé, alors en tant qu'anthropologue, c'est aussi difficile, parce qu'anthropologue, on essaie toujours de prendre des choses depuis très loin, donc c'est difficile et compliqué de dire ça en 15 minutes. Mais j'ai essayé d'avoir quelques petits éléments pour montrer que vous êtes vraiment dans le sens de l'histoire, que les forces que vous représentez, les forces que vous mobilisez sont finalement dans le sens de l'histoire des sociétés, de l'histoire anthropologique. Voilà. Donc je vais plutôt développer cela et insister là-dessus. L'image suivante. Ouais. Voilà. D'abord, on est dans un monde qui change très vite, qui change de plus en plus vite, et où on voit que le travail en tant que tel tend à se réduire comme une peau de chagrin, parce que d'abord on accède au travail de plus en plus tard, on vit très longtemps encore, tant mieux, après la retraite, et puis même dans la vie professionnelle, le travail lui-même tend à se prolétariser. C'est Stigler, le philosophe Stigler qui racontait cela, parce qu'on a un travail qui tend à se déqualifier,
les machines prennent de plus en plus, et l'intelligence artificielle, les machines prennent de plus en plus de place. Et donc, on voit bien que l'espace travail, qui était quand même l'élément dominant, tend à se réduire. Et donc, la grande question est, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libre? Est-ce que ce sera seulement un temps de cerveau disponible pour la publicité, les industries culturelles, le repli sur soi, ou est-ce que ça peut être aussi un espace justement d'engagement, de développement de la culture? Tous les prospectivistes, prospectivistes insistent là-dessus. Ils disent, à la fois, ils commencent toujours leur livre et leur publication par une description assez apocalyptique du monde qui vient. En même temps, ils disent chaque fois, ce qui peut sauver, qui peut nous sauver finalement de ce monde qui se désorganise de plus en plus, c'est la culture. Et c'est l'engagement politique, citoyen, la citoyenneté, etc. Les réseaux peuvent permettre de faire évoluer tout cela vers du plus positif. Et donc, finalement, la culture devient ce lieu, cet espace de réinvention, finalement, d'un avenir acceptable. Voilà ce que disent les prospectivistes. Là, je vais citer Boltanski, Rifkin, Latour, Maffesoli, qui sont tous des gens qui sont très connus et qui ont vraiment ce genre de discours. L'image après. On voit, parallèlement, finalement, à l'essor de la société de consommation, le travail se réduit, la consommation se développe, et depuis 100 ans maintenant, les premières industries culturelles se sont développées. Donc on a le cinéma, la télévision. On avait déjà dans les années 1930 tout un développement des industries culturelles dans la presse, l'édition, les journaux populaires elles se financent comment? Elles se financent en produisant le maximum de contenu avec un minimum de prix le plus facilement diffusé. La révolution des nouvelles technologies et des moyens de communication, la digitalisation du monde a renforcé de façon considérable leur puissance. Et on voit bien que nous sommes environnés maintenant de plus en plus par ces environnements culturels. On voit bien que les gens, les jeunes, les enfants, et tout le monde passe de plus en plus de temps derrière son ordinateur, derrière des écrans, où on nous sert à profusion toutes sortes de spectacles, toutes sortes de façons de se distraire des difficultés de la vie qui nous environne. Et à la fois, c'est aussi très intéressant. Il y a des choses qui sont très créatives. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais bon, cette dimension très sucrée tend quand même à isoler de plus en plus les gens derrière leurs écrans et à faire en sorte que les gens restent chez eux. Et la crise du Covid n'a fait que renforcer cela. On le voit bien dans tous les lieux de culture qu'il est de plus en plus difficile de demander aux gens d'éteindre leur ordinateur et de sortir et de se rencontrer et de faire des... De participer à des activités culturelles. Voilà. Et donc, effectivement, ces nouvelles technologies, j'ai mis cette petite image, mais ces nouvelles technologies, elles sont magnifiques, elles progressent de façon en qualité, en quantité, avec elles mobilisent les meilleurs talents au plan mondial, elles amortissent leurs coûts au plan universel. Et c'est vrai que les autres productions culturelles, finalement, ont de plus en plus de mal et de difficultés à se réaliser. Néanmoins, on voit que les statistiques montrent quand même que la dimension culturelle, les industries culturelles au sens large, y compris le théâtre, la musique, etc., tentent à se développer quand même, à croître, et les initiatives. Et le spectacle vivant, par exemple, tout ce qui est théâtre vivant, spectacle vivant, musique et tout ça, tend lui aussi, quand même, à se développer. Et sur les 5 dernières années, par exemple, dans les chiffres que j'ai vus, le produit national brut en France a été de 2%, la progression de la production nationale, et tout ce qui est le spectacle vivant a progressé de 4%.
Et donc ça représente quand même un élément fort qui est en train de se développer. Et je voulais prendre un exemple à ce sujet, puisqu'on est à Avignon, puisqu'on est en Avignon. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire une étude, finalement, avec les acteurs du festival OFF, il y a de cela 20 ans, et de publier cette étude-là sur le festival d'Avignon. Donc l'étude, on l'a faite en 2002, et le livre a été publié en 2003. Et sur le fameux OFF, le festival OFF d'Avignon, qui à l'époque n'existait pas. Personne ne voulait défendre l'existence de ce festival. Et moi-même, pour obtenir des financements, j'ai tenu avec mes collègues de laboratoire, un minimum de financement, ça avait été très compliqué, parce que même le ministère de la Culture m'avait dit « l'OFF, ça n'existe pas pour nous, on ne finance que le IN et le reste ne nous intéresse pas ». Et on voit bien qu'en 20 ans, les choses ont profondément changé, les mentalités quand même ont profondément changé. Et cette année, donc, le festival OFF nous a demandé de revenir 20 ans après, et avec, on est revenu avec une équipe d'universitaires de Nice, Avignon, Marseille et Toulon, pour travailler sur l'évolution de ce festival OFF, qui est quand même radicalement différent du IN. Le IN, ça relève, c'est tout à fait intéressant, mais relève plutôt, je dirais, de l'ancien système, c'est-à-dire d'un système de financement où le mécénat aristocratique a été remplacé par le mécénat d'État. Et le OFF, c'est plutôt nouvelle force qui sont en train de monter, on voit bien, et qui emporte tout aussi sur leur passage, parce que quand on avait fait l'étude, en 2002, il y avait 721 spectacles qui étaient joués dans le OFF. Maintenant, il y a 1600 spectacles qui ont été joués cet été. Il y a 1200 compagnies qui viennent, qui jouent envers et contre tout, et qui occupent tout Avignon pendant ce festival, et qui jouent dans 140 lieux. Et parmi eux, d'ailleurs, j'ai noté qu'il y a quand même 200 spectacles de musique qui sont aussi donc qui emploient des musiciens. Et puis, je n'ai pas noté la danse, mais j'aurais dû rajouter, il y a aussi beaucoup de danse. Donc, on a une grande diversification des propositions artistiques des gens qui viennent à Avignon. Et progressivement, je vois que les choses sont reconnues. Ce festival-là est reconnu, même maintenant par la nouvelle équipe d'ailleurs du IN, qui reconnaît l'intérêt, l'importance de ce festival-là et qui met en place tout cela. Voilà. Donc, ça me semble intéressant de voir que ce festival-là, donc c'est des compagnies qui viennent de la France entière, du monde entier. Il y a de plus en plus de compagnies qui viennent de l'extérieur, qui dépensent toute leur énergie, toute leur force, etc., pour venir jouer, rencontrer leur spectacle. Il y a dans le IN, il y a 115 000 spectateurs. Dans le OFF, il y a 1 950 000 spectateurs. Et donc, il y a vraiment un effet d'espace public qui se produit, c'est-à-dire que tout le monde se partage, les gens se recommandent les spectacles à aller voir. Et au bout de la fin du festival, il y a les bons spectacles qui ont été reconnus par le public jouent à guichet fermé, alors que d'autres quasiment ont plié bagages parce que ce n'était pas très bon. Mais il y a quand même une grande diversité de choses. Et finalement, enfin, il y a une émulation extraordinaire, et je trouvais ça, c'était important d'en parler ici à Avignon. Pour avancer encore, voilà. Donc on voit bien que cette culture qui est en train d'émerger, mais vous en avez parlé avant, on voit bien qu'effectivement, on a besoin d'espaces de culture, de lieux d'innovation culturelle, que cela fait la richesse d'une région, la richesse d'une ville. Vous avez présenté tout à l'heure abondamment tout l'intérêt de développer la culture, donc je ne vais pas vraiment revenir, mais enfin, voilà, multiplier les occasions de sociabilité, parce qu'on a vraiment besoin de cela, et la culture est au centre de ces occasions de sociabilité. Il y a la commensalité qui se développe, mais la sociabilité aussi est culturelle autour de propositions artistiques que vont faire une multitude, finalement, de jeunes que vous formez et qui, tant bien que mal, essaient de trouver leur place. Le grand modèle des années, je dirais, du siècle dernier, c'était la professionnalisation. C'est-à-dire, le rêve, c'était de rentrer dans un orchestre philharmonique, de devenir titulaire ou devenir une grande vedette, etc. On voit bien que dans la période actuelle, en plus de réduction des impôts, de réduction des,
des moyens de l'État, etc., et de multiplication des demandes, c'est de plus en plus difficile. Donc il reste à inventer quand même, il reste à inventer des façons de faire vivre cette grande diversité. Mais on voit bien que, en tout cas pour avoir formé pendant 40 ans des étudiants, leur passion. On leur dit il n'y aura pas de travail, on leur dit ce sera difficile, et en fait ils sont là, ils viennent, ils reviennent, ils sont toujours plus nombreux à vouloir travailler dans l'événementiel culturel, dans le monde de la culture. Et donc ils multiplient cette culture-là multiplie les occasions de sociabilité autour de la culture, sociabilité commensale. On se retrouve, on mange, on boit un verre après, on rediscute de ce qu'on a vu, on quitte nos écrans, on sort de chez soi et on va dans des espaces comme ça où on parle culture. Et tout ça, c'est une véritable ouverture. Bon, vous l'avez dit amplement, c'est l'ouverture sur le territoire, effectivement. C'est, le Grand Avignon est un bel exemple. Et je pense que ça n'existait pas il y a 20 ans, cette idée d'intégrer aussi, non seulement le centre-ville, mais aussi tous les territoires qui sont autour, tous les acteurs, tous les gens qui sont délaissés. Ça, c'est une nouveauté. Et ça, je dirais vraiment, vous êtes dans le sens de l'histoire et je vous encourage à continuer, bien sûr. Et puis, la dernière image, c'était... celle d'avant peut-être, oui. C'était de dire que... mais il faut effectivement repenser les politiques culturelles. Et l'UNESCO, sur les... Le premier rapport, c'était il y a 6 ans. Le dernier, c'était il y a 2 ans. A bien développé leur grand programme, repenser les politiques culturelles. Comment est-ce qu'on peut inventer de nouvelles politiques culturelles qui fassent la place, qui soutiennent aussi toutes les initiatives. Et ça, ça reste compliqué. Nous, dans notre laboratoire, on a travaillé sur les réseaux d'artistes, comment on essaie de vivre quand on sort avec des compétences, avec une passion, pour à la fois gagner sa vie, tant bien que mal, peut-être avoir deux boulots, peut-être avoir... et puis les gens qui arrêtent de travailler aussi, il y a des gens qui, à un moment donné, veulent changer de vie, trouvent qu'ils ont assez gagné, ils veulent changer de métier, ils veulent se lancer justement dans la création, etc. Donc on a cette multiplication, comment les gens vivent. Alors, il faut revoir les modèles. L'idée de professionnalisation à temps complet, eh bien oui, ça existe, mais c'est quand même compliqué. On voit que les 3/4 du temps, les gens sont amateurs, hyper compétents, bénévoles aussi, mais indemnisés. Enfin, on a plein de solutions comme ça qui s'inventent. On voit aussi, pendant longtemps, il y a eu l'opposition entre public et privé. C'était le cas du théâtre. Le théâtre privé, le théâtre public ne regardait jamais le théâtre privé. Ça ne les intéressait pas. Maintenant, on voit bien qu'il y a de plus en plus de convergence de l'un vers l'autre. Et donc, on voit bien que cette... capacité à inventer des solutions financières pour faire vivre comme ça des artistes, c'est aussi une façon d'inventer de nouvelles façons de penser les politiques culturelles. Et je pense que ça reste encore. J'ai le sentiment quand même qu'il reste encore cette dichotomie, mais on voit bien en tout cas ici qu'elle est en train d'évoluer et de se transformer, et que de plus en plus on voit émerger justement des nouvelles sources de financement qu'on imagine, où le public est invité, où les gens sont bénévoles, où les gens sont semi-professionnels, et on trouve toutes sortes de financements possibles d'événements culturels. Et le dernier, c'était pour une petite publicité, à la fois, donc j'ai publié un livre sur le projet culturel justement. J'en publie depuis une dizaine d'années, c'est la 3e réédition. Comment développer et former des gens au projet culturel. Et l'autre, c'était aussi un événement, un festival que j'ai organisé pendant 20 ans avec mes étudiants dans les musées de la ville de Nice pendant un mois. Les étudiants organisent, alors ça fait partie de leur formation en fait, que d'organiser, d'aller chercher des financements, de trouver des moyens, des sponsoring, etc., et d'organiser 15 événements pour 5000 personnes dans les musées de la ville de Nice le soir, essentiellement pour les étudiants, mais aussi pour tous les Niçois qui veulent y participer. Et à la fois, je trouvais que c'était une passion pour les étudiants que de former, que de participer à la réalisation de cet événement. Et ils sont tous formés à cela, et en même temps c'est aussi l'occasion de créer finalement de la culture autour de nous. Voilà le temps qui m'était imparti. Merci.
Bien maintenant, merci infiniment, Paul, pour cette brillante présentation.